Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de ma Little Box de décembre 2019. Donc j'ai déjà commencé à unboxer pour voir parce que je trouvais que la boîte n'avait pas le format habituel. Donc ça se présente comme ceci lorsqu'on l'unboxe. Donc votre invitation de minuit est arrivée. Donc on a un petit décompte du temps. Et là donc on a l'illustration de Kanako du mois qui se présente comme ceci. Donc ce soir, entrée sonnée avec une illustration de personnes qui font la fête et qui fêtent le nouvel an accessoirement. Voilà. Donc ce mois-ci, justement, ça se présente sous un format différent. Il n'y a pas de box à proprement parler. Il y a simplement un petit écran, un gros écran, on va dire, qui est en réalité une boîte à bijoux. Donc un écran avec des dorures, etc. Donc en velours ras. Voilà. Il se présente comme ceci. Donc on a un miroir également. Juste là. Voilà. Et donc j'essaie de remettre les choses à leur place. Donc si on le prend dans l'ordre du décompte, donc là tout d'abord, ça je ne l'ai pas remis à sa place, c'est une carte cadeau de chez MAC Cosmetics. Et donc c'est une carte cadeau d'une valeur de 15 euros des 20 euros d'achat. Donc à voir, c'est valable jusqu'au 7 janvier. Donc c'est un peu juste au niveau du temps quoi. Donc on verra. En fait je pense que ça expire juste avant les soldes pour pas qu'on puisse prendre des produits soldés avec. Voilà, donc on commence par la première grosse boîte, donc qui est celle de 20h58. C'est marqué dernière retouche devant le miroir. Donc lorsqu'on l'ouvre, on trouve les trois produits du mois. Donc tout d'abord, le produit My Little Beauty du mois qui est l'infusion d'après-fête. Donc c'est une lotion démaquillante au thé vert. Donc on a le format de 50 ml. Voilà. Ensuite, on a un rouge à lèvres de la marque MAC Cosmetics. Donc on a le 630 D for Danger. J'ai réussi à l'ouvrir du premier coup, c'est un miracle. Et maintenant il ne veut pas sortir. Hop. Donc voilà, il se présente comme ceci. L'année dernière, la marque MAC avait fait une collaboration avec la box. J'ai oublié son nom. Bon, ça. C'était la box. Bon, je me souviens. La boxe avec les féministes, j'ai oublié son nom. Oh. Ça va me revenir. Ah, la boxe Mademoiselle, voilà. Donc voilà, voilà pour la couleur. Et c'est exactement le même coloris que j'ai eu l'année dernière, il me semble. Voilà. Ensuite, on a de la poudre, donc du fard à paupières. Donc couleur marron. Donc, de toute manière, je ne swatche pas parce que ce n'est peut-être pas des couleurs que je garderai. On se présente comme ceci. Hop. Bon, attendez, sans le flash, je pense qu'on voit plus rien. Voilà. Donc voilà pour les maquillages. Donc c'était les produits de la collaboration. Donc si on poursuit, on passe à 23h59, pardon. Où là, on a bijoux à glisser sous vos plus jolies mèches. La plus brillante de la soirée, c'est votre chevelure aux bijoux dorés. Donc on a un bijou comme ceci. Donc une sorte de barrette dorée. Bon bah je pense que pour un coin, pour une des quelques mèches de cheveux, ça va, mais pour tous les cheveux, ça ne me conviendra pas. Mais bon, on essaiera. Et là, j'ai tout écroulé. Pas bien. Hop. Voilà, et donc après, on a minuit que la fête commence. Donc là, ils disent que la surprise, c'était la carte cadeau MAC. Je pense que je l'ai mal réemballée. Mais voilà. Donc concrètement, le premier goodie, c'était la boîte à bijoux. Et puis sinon, on a eu quoi comme goodies? On a eu la barrette et on a eu trois produits. Donc globalement, ce mois-ci, on a eu beaucoup moins de produits que les mois précédents. Mais après, je pense qu'on a eu des produits aussi plus chers et plus qualitatifs, ce qui fait que de fait, la box reste rentable, même s'il y a plus, on va dire, peu de produits. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le unboxing de My Little Box. Peut-être pas comme ça. Hop. Pour le unboxing de la My Little Box de décembre 2019. Donc je vous retrouve l'année prochaine pour des futurs My Little Box. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, je suis en attente avec des box de Sotrendou. Donc, vous savez que Sotrendou, c'est mon site préféré
Et c'est un des rares sites où on a des box sans abonnement. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!